Nous avons fait les nègres. Fabien, dans plusieurs zones dans le pays, il y a un ensemble de centres de propagation végétale qui ont été capés, qui prennent un ensemble de types pépinières pour permettre que les plantules disponibles, ça qui est capable d'aider à augmenter la couverture végétale pays. Mais tout ça pour aider les mignons engagés dans planter pieds bois. Fabien, le président de la République, a souligné. Dans la prochaine année académique, l'année académique 2018-2019, le reboisement a dû venir en matière obligatoire. Ça qui déjà depuis Timounio, l'école, il a porté contribution par eux dans le développement pays. Yo. Pour centième place mi-plan, c'est Fondaneg qui a dû recevoir lui. Il y a un travail qui a fait pour permettre avant longtemps sans ça de tourner en réalité. Week-end, l'équipe TNH qui était sous place pour le fournir regarder ensemble travail qu'a fait dans la perspective pour mettre campé centre germoplasme pour nous, particulièrement dans la commune Fondaneg. Image au Paris, on a suivi ensemble conseil. Je veux dire, nous capables de dire nous déjà gagné 412 000 plantules qui sont disponibles là, de toute espèce. Bon, l'homme dit toute espèce, et je veux parler là, nous gagnons café. Le café, nous connaissons qu'il y a une pile d'importance pour le pays et qui c'est une grosse potentialité pour le département, surtout Fondaneg. Et nous gagnons moenga d'olive qui nous gagne dans l'espace là, et nous gagnons la bapin, nous gagnons l'âme véritable. Nous avons acajou, nous avons citron, orange douce, sadec, chadec, si, et citron. Et nous avons tout acacia. Tout ça, c'est ensemble espèces. Déjà, nous commençons à gagner dans l'espace là. Mais nous avons toujours continué à produire. Nous avons 4,5 millions de plantules pour nous produire par année. Nous avons 1,2 million de plantules chaque trimestre. Depuis le 28 août 2017, et lorsque nous faisons le lancement premier pierre projet ça et bon ici et nous capable de projet à représenter l'importance total capital non seulement sur le plan économique projet à lui-même les stimuler au moins diminuer et rageur monio
qui est capable d'où que son projet qui est capable d'où qui recapitaliser et surtout citoyen qui a vu dans zone 3e section PML et dans la fond des nègres et dans zone Bitette et tout aux environs centre-ville il y a pile monde qui joignent quelques activités qui ont fait dans projet soit à que gens on va regarder là qui sont pépinières fait à oser plein sachet gon ambiance là total capital depuis lorsque le projet a commencé après toute construction là regarder en bas qui fait au moins 100 ans qui restaure en bas et depuis la pose première pierre depuis fait là et côté que gagne monde qui dans bâtiment bas qui a construit et puis gagne un boss maçon qui travaille un paquet de monde qui fait ça et sur une capable sur le plan écologique environnemental projet ça il y a aidé non seulement Fond des Nègres tout département ensuite tout Haïti tout parce que et projet ça qui gagne pile côté érosion qui a fait dans pays à cause que pied bois qui coupé et comme que gagne pile côté qui va le reboiser à cause des projets ça et soit regarder quantité plante loué là et gagne temps un bon stock qui allait déjà qui a reboisé de l'autre côté et ensuite il y a un pile qui a préparé là et quoi pour qu'il y a un pile sachet qui plein là et il y a un pile planté là qui a différents niveaux et que le projet ça a un paquet de bagages qui va le faire sur le plan écologique, sur le plan environnemental, il y a un paquet de bagages pour que ça capable faire. Et je crois que c'est une bagage que le gouvernement, Jean-Président a prôné là et que c'est un projet qui mérite à féliciter et nous méritons nous mérite féliciter le président pour l'initiative qu'il a prise depuis la campagne et puis qu'on a que vous nous matérialiser ça le dit et c'est important et ça mérite à féliciter parce que lorsqu'on arrive là c'est des bagages extraordinaires qu'on voit et ouais que des bagages qu'on va dire on voit et côté que ouais que et Jean le dit là et moi crois que chaque année qui va 4.5 millions plantil qui va là qui va reboiser presque tout pays et que nous ouais et à partir de ça l'inauguré et au cas là déjà et bien qu'on a là ça là très bientôt va le inaugurer moi crois que gain d'autres toujours qui va le faire dans pays moi crois que si vraiment tout haïtien essayer comprendre ça et mettre ça en pratique pour ouais qui ça nous ca faire et bien pote coller moi crois que grand pile bagaille ca fait et nous capable encourager gouvernement ça tout et puis dans sens ça nous c'est premier gouvernement et bien qu'il là et que nous ouais que qui capable moi font genre de travail comme ça et me souhaite que le travail ça te calé puis devant et que travail ça tout qu'il était capable au moins bon population parce que dans ce sens ça nous bral contre érosion et mon environnement bral protéger et puis tout pied bois que qu'on coupe mon a fait charbon et bien qu'on a ça bral fait nous bral reboiser pays et puis moi crois que bral gon l'autre allu qui prend et pays d'Haïti bral totalement changer sur le plan environnemental c'est vraiment n'a gagne Haïti vert vrai avec au moins gouvernement ça m'estime que depuis l'aime tout petit m'était qu'on ouais pied bois planté surtout dans localité ça que les butettes dans ferme non dans ferme agricole là et mais jodi a nous c'est une autre réalité parce que gagne en pile pied bois qui en pile plante tuile qui là et si tout bon vrai que projet ça ligue continuité certainement nous estimons que Haïti entièrement a bénéficié particulièrement des départements donc moi vraiment remercier et féliciter président pour travail de grande envergure ça que il fait dans le département particulièrement la caille moins butette donc moi-même moi bénéficier parce que pied bois pas planté et pied bois c'est la vie si nous voulons faire développement pour 25 ans que on rêvait à Wabdia Ponia faut que nous planter pied bois donc moi-même moi bénéficier en pile me sentir fier et content pour initiative ça on songeait comment grand-parents nous qu'on a parlé de ferme ça mais je dis on pas capable apprécier en tant que jeune et initiative ça que le président prend et dans la communauté ça pour aider nous capables vraiment oui nous voyons l'autre visage et nous voyons l'autre communauté qui va le développer à travers pied bois parce que nous connaissons pied bois c'est la vie et chaque fois que nous détruisons pied bois et nous même tout les gains répercussions le fait sous la vie nous et en tant que jeune communauté qui a étudié qui entre dans domaine ça qui c'est agronomie c'est peut-être ça même nous te gain devise ça nous te dit là n'a regarder situation genre et pays a déguisé parce qu'il a coupé trois pied bois et nous même nous te d'accord pour nous entrer pour nous prendre initiative ça pour nous engager tête comme étudiant en agronomie. Donc on est dans le cadre de reboisement qui ça représente. Là nous avons regardé comment qui quantité variété nous gagnons, nous capable de son et si toutefois le bail ça fin réaliser son grand projet qu'a réalisé dans la communauté. Moi te crois que un monde qui coupe un pied bois c'est une ville qui détruit. À chaque fois que vous coupez un pied bois et c'est quantité d'oxygène que nous mêmes que nous ta doué utiliser pour nous vivre qui diminue. Moi te crois que message que capable voyer c'est pour pas couper pied bois et puis au lieu pour ta couper c'est planter pour planter de préférence. Voyez un gros coup de chapeau pour président, moi féliciter lui pour initiative lui.
Et moi félicite tout agronome Tony, c'est lui même qui responsable moi dans stage. Moi félicite lui pour toute grande capacité lui, moi acquérir un paquet de connaissances avec lui. Et bon, fermement faire une grande activité face avec des rencontres que nous faisons avec autorités locales. Et fermement vraiment une grande importance pour Mounio et pour PIA. C'est vraiment un bon bagage. Nous avons un cocotier tout côté que une maladie qui a tombé sous l'île et que son espèce qui menaçait. Production centre côté que nous avons un cocotier là dans tout. Son valeur ajoutée que nous portons dans la communauté en matière de culture cocotier, culture café, culture cacao. Nous avons que nous avons pile cacao là. Donc, je dis que c'est un bel projet. Et étant donné que c'est tous 10 départements que nous visons, je pense que dans fin projet nous ka dit que reboisement nous était à 2.1 million 2.2% arbre forestier. Donc nous ka dit que après projet ça qui dans dit département ka dit bon nous gon couverture végétale qui plus ou moins appréciable. N'a remercier président pour un tel projet comme ça, il choisit réaliser dans zone non dans département NIP spécialement fond de nègre parce que nous capable dit depuis jour président déposer premier pierre là que un paquet de monde a bien travaillé fille comme garçon que nous connaissons filles qui traitent pour mal travail, très difficile pour jeune travail. Mais qu'on y a là avec projet ça, président Jovenel, est planté dans le département NIP, l'enfant des nègres, nous sommes capables de dire, président Jovenel est capable de dire un peu merci. Mais ça m'a demandé encore avec dirigeant nous, nous connaissons un projet comme ça, si nous n'avons pas une continuité de l'État, pour que ça soit capable de tomber dans l'eau. Et ça fait nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à attaquer l'an, mais nous disons vive le président Jovenel pour 25 ans, nous connaissons la constitution, pas ordonnée pour un président faire 5 mandats. Mais l'an 25 ans, c'est l'idéologie Jovenel là, la pony. Oui, continuité, il y a besoin. Parce que sans continuité, tout projet ça, là, si le président Caponte après Jovenel là, il y a l'autre idéologie, nous m'a dit tout projet ça, tout dans l'eau, tout plante ça, nous m'a dit tout ça, c'est l'argent perdu. Je salue TNH. Moi salue tout auditeur téléspectateur téléspectatrice et moi c'est l'abbé Givard délégué départemental de NIP. Et bien dans occasion visite président dans le département surtout dans Germoplace ça qui président te travaille comme il te promet dans campagne que il t'a pas doté chaque département de 4.5 millions de plantules. Et bien jodia c'est une occasion pour venir garder mesurer, évaluer, travailler dans le département. Bien que il n'y a pas accompagné, mais la Jodia, donc moi-même comme délégué départemental, moi je suis venu faire supervision, garder toute mise au point pour permettre que toute bagaille sorte correct. Donc nous connaissons caravane, ces outils et gouvernement et c'est sous le président misé pour assurer et que vision là atterrir sous population. Donc li lancé d'emblée en dans département de NIP, nous commencer travail jodi à c'est j'ai mon place et peut-être l'autre semaine nous pourrons lancer caravane dans d'autres communes qui c'est en Savo, l'Asile et Arnaud. Donc n'a travail d'arrache-pied pour permettre que vision là atterrir et message campagne pour l'accompagner population pour porter changement dans vie et bien li un succès. De concert avec tout le monde qui encadre le gouvernement, moi-même personnellement qui représente le département, on a fait tout ça possible pour atterrir vision là et permettre que gagne une solution qui porte dans la vie population qui fort souvent et qui abusé, méprisé et qui pas jamais joindre réellement une solution concrète qui est seulement imaginaire. Donc nous-mêmes groupe ça, nous décider pour nous faire changement, nous décider pour nous faire différence et avec nous tous qui sommes dans le département, n'a renforcé le président, tout le gouvernement pour permettre que les choses changent.